Et bonjour à tous et à toutes, c'est l'équipe de Scott 666 pour l'épisode 15 sur Dark Souls 3. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Je suis très très agréablement surpris par ma gestion du temps. Je suis un peu soufflé parce que je viens de tondre, j'ai pris une douche entre temps. J'ai absolument pas de son. C'est normal. Et on est parti pour le château de Dranglek avec mes 99 âmes. De Dranglek, bien sûr, non. De Lost Freak. Gestion du temps impeccable, j'avais 3 heures à peu près. Un peu plus de 3 heures pour tourner deux épisodes et tondre. Et dans une heure, j'aurai encore 20 minutes de rab. C'est beau un monde qui joue. Moi, je suis bien content d'avoir eu le temps de tout faire. J'ai tondu, du coup, ça me fait faire un peu de sport parce que j'essaie de perdre du poids. J'essaye, c'est le terme. C'est le terme. Parce que c'est pas trop réussi, j'ai perdu 5 kilos en 2 mois. Ça fait déjà 2 mois que j'ai commencé mon régime. Après, on va dire que je l'ai fait pendant 1 mois le régime et ça fait 1 mois que je ne fais plus le régime. Je le reprends dès demain. Je dis dès demain parce qu'il me reste encore des trucs à finir. Et mes yeux sont fatigués à cause de la sueur qui a piqué dedans. Donc espérons ne pas faire trop de bêtises. Donne-moi de la vie. What les dégâts? What les dégâts? HP, HP. Moi ma vie, je t'ai dit. Putain, le coup de bouclier, ça fait super mal. Et il est encore sous l'effet de du miracle. Hein. Ah, c'est bon. C'est réglé. Déjà 3 fioles d'essence juste pour ce mec-là. 4000 âmes. Ça peut peut-être expliquer les 3 fioles d'estus, hein, bien entendu. J'ai toujours mon arc et mes flèches. Voilà, je veux toi tout seul. Viens, viens, viens. Putain, l'autre qui arrive derrière, quoi. Je sais pas si l'autre il m'en veut ou... Il a l'air de vouloir me péter la gueule aussi. En fait, ils font une ronde. Lui, en fait, il fait une ronde. C'est partant, hein. Et ils ont tellement moins de vie que les autres. Voilà, c'est réglé, on se détend. Bien, mais donnez-moi vos armes, donnez-moi vos trucs, je kiffe votre armure, je kiffe vos armes, je vous kiffe. Ah, c'est con, tu fais pas partie du sort. Grand bouclier de Lost Freak. Bon, moi je dis Lost Freak, hein, je prononce ça à l'anglaise. Mes yeux me piquent, c'est horrible. Enfin, c'est ça qui est horrible avec tombe. Il fait très très chaud. Du coup, la sueur tombe dans les yeux et ça te défonce la rétine. Putain, il y a un feu qui est juste là, quoi.
C'était super inutile. En fait, c'est quoi l'intérêt d'aller là? En théorie, c'était plus rapide que de descendre l'échelle. Ok, château de Lostwick. Je me disais, mais... Il est où mon feu? Je ne le trouve pas. Donc, les jardins sont encore dans la zone du mur de Lostwick, par contre. Le château ne l'est pas. Le château a sa propre zone. Par contre, du coup, putain, je me demande si en courant j'aurais pas été plus rapide. J'ai une question. Est-ce qu'à votre avis on peut jouer en gaucher? Je veux juste voir. Non, on peut pas. Merde. Dans le 3 on pouvait, c'est pour ça. Dans le 2 je veux dire on pouvait, le 3 c'est celui-ci. Je m'en pose parce que j'ai gaspillé de l'astuce bêtement. Par là-bas, aucun intérêt d'y aller. Continuons. Ok, c'est pas la mimique qui a fait du bruit alors? Est-ce que c'est pas une mimique? Ça va être au-dessus. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un truc qui vole. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y en a plusieurs en plus. Je comprends qu'ils aient tous l'air attristés là parce que... Ok, le ciel il est comme ça depuis quand? Ça fait la marque rouge en fait, ça fait la marque sombre j'ai envie de dire. Genre comme si tout le royaume avait la marque. T'as mis un bouclier en bois qui résiste à un coup de Claymore en pleine face. Niveau éclat titanique, je... En fait, c'est vraiment un truc de ouf comment c'est réparti les éclats dans celui-ci. C'est vraiment progressif. Genre, au début, on trouve que des fragments, après, on trouve que des grands fragments, et après, que des éclats. Alors que dans les autres, on trouvait toujours au fur et à mesure. Ok, t'as pas beaucoup de vie. Par contre, t'es invincible à la relève. C'était pas très dangereux. Bon, les ennemis par contre sont toujours en mode je te donne des grands fragments et pas des éclats. C'est eux qui font du bruit en fait, genre ils ronflent. Il y a un mur caché, il y a un truc. Bon, rien de spécial. Cet anneau qui redonne de la vie à chaque coup critique, je sais plus lequel c'est. Je crois que c'est Ruby d'Aldrich. Et bah c'est pas mal du tout. Par contre là j'ai fait n'importe quoi parce que je viens de me prendre des de l'estus, enfin un médaillon de Lloyd. Oh fuck. Il est où celui qui le lance?
Je sais pas où est celui qui lance des médaillons de Lloyd, mais. Pas très poli. Putain, des éclats titanites, t'as plus savoir quoi en foutre. Plus qu'un, et je peux améliorer mon arme, il me manquera plus qu'une tablette. Ah, si seulement Sigvert aurait pu me donner sa tablette là. Je fais chier, j'aurais pu déjà avoir ma tablette de titanite. En même temps, vous me direz dans. Fais chier. On aurait dit en vrai. Attends, toi j'arrive. Il y a un feu de camp. Ah, ça sera pour plus tard. Il y a déjà un autre feu de camp. C'est assez rapide. J'ai même pas envie de m'y poser en fait, parce que j'ai utilisé qu'une seule fiole. Ce serait con de faire apparaître des ennemis pour une fiole quoi. En fait, ouais, j'y étais dans Dark Souls 1, il y en a aussi qu'une seule de tablette. Hein. Sauf si on fait la quête de Katarina, mais elle est horrible. Je me demande s'il y en a d'autres. Ok, d'accord. Référence à Demon's Souls plutôt évidente. Il est reparti au quart de tour avec le bouclier. Ah, ça me permet d'aller là. En fait, j'ai pas le choix. J'suis en train de réaliser, il faut que j'aille par le pont. Hey, salut. Merde. Je pensais qu'il était encore vivant, vous voyez. Ça m'a semblé être la seule bonne idée que j'avais. Parfait, déjà. Arme augmentable garantie. Je vais en avoir très chaud. Je parie que là maintenant. Putain, il y a que des éclats de titanite. Oh là là. Je vais pouvoir avoir mon arme en plus 9. T'es une scintillante, mais c'est bien ça, c'est bon ça. Foudroyante, on s'en branle. Oh putain. Oh putain, je m'en fous des pièges. Tant pis. Putain, de pas beaucoup, hein. Quelque chose me dit que j'arrivais dans le dos du mec qui me lançait depuis tout à l'heure des trucs dans la gueule. Et je savais bien que je l'avais entendu aussi. What, c'est quoi cette portée là? Il allait faire son attaque chiant, tout il tombe sur lui-même là. Oh merde. Bon, par contre, il me semble bien que ce soit un cul-de-sac. Hein. On va retourner améliorer
l'épée, mais la clé mort. Mais je pense que là, les dragons, faut que je fasse un truc. Hein. Alors, les tuer, ça risque de prendre du temps. Donc, on va peut-être pas faire ça. Quartier du dragon. Ah bah, ça porte bien son nom ici. Hein. Comment on peut passer? J'ai une émote qui s'appelle la voix du dragon. Ça peut peut-être marcher. Je suis pas sûr. Toujours peur qu'il disparaisse lui. C'est quand même mon arme de boss. À... Tablette de titanite, j'ai pas. Du coup, maintenant on va vérifier. J'aime lourde. Non mais regardez, je gagne 7, je perds 35. Aucun intérêt. J'aime 30 chante. Je gagne 7, je perds 17. Aucun intérêt. Et on va remettre en arme normale. Je gagne... Non, j'ai une... La différence est pas énorme, hein. Elle est que de 10. Mais c'est déjà ça quoi. On va les tuer avec mes flèches. J'aimerais trop savoir où est l'armure de Pharam. Ouais. J'aimerais vraiment avoir cette armure, c'est une de mes armures préférées. Enfin, il y a beaucoup d'armures que j'aime beaucoup. Mais celle-ci en fait partie. En fait, globalement, quand je joue à Dark Souls, j'ai soit l'armure de Vanguard parce que c'est concrètement l'armure la plus efficace du jeu, soit l'armure de Pharam parce que c'est celle que je préfère. La question c'est, est-ce que si je vais là, j'attire des ennemis sur ma pomme ou pas? Non. Ok. Je pense qu'il a plus de 1900 de vie, donc on va pas se le faire comme ça. J'ai même pas l'impression que je dois aller par là. Hein. J'ai l'impression que si je vais par là, je vais à chaque fois crever en fait. Je vais aller récupérer mes âmes et je vais foutre le camp avec un os. Dans ce cas-là, si je peux pas aller par là, je peux aller où? Je sais pas. Faut que je fasse vite parce qu'au début ils mettent longtemps avant de se décider à attaquer. Il me reste plus qu'un seul objet à récupérer, on va y aller. Hein. À un moment, j'ai le temps de récupérer ma vie, je pourrais même peut-être me tenter l'aller-retour. Et le sort qu'on vient d'avoir en description, ça empêche de faire de la magie dans la zone. Ça peut être super cool en PvP. Je sais pas ce qu'il faut comme prérequis, parce que si c'est un sort dont le prérequis est faible. Salaud. Oh putain, si j'ai trouvé le chemin. Je crois que je peux le tenter avec un truc, petite astuce maison. Parce que j'aimerais bien récupérer mes âmes quand même.
tout cas, j'ai trouvé le chemin. Et ça, c'est bien. Faut tomber du pont et aller vers la gauche. Donc. Pilule de résistance au feu. C'est parti. En fait, faut vraiment y aller avec le bon timing. Hein. On peut dire adieu à mes 26 000 âmes, concrètement. Parce que alors là, pour les récupérer. Tout à l'heure, j'aurais eu le temps, et là, j'ai peu le temps, je sais pas pourquoi. C'est un peu aléatoire. Donc, 26 000 âmes, tant pis, adieu. C'est pas grave. Tiens, rends-moi la vie. Ah, mais vous me faites chier avec ces trucs à lancer. C'est toi qui me lance des trucs à la gueule. Ok, donc eux ils sont transformés. J'espère que les transformations ça leur permet pas de faire des putains de sauts. En tout cas, cette transformation elle fait laguer le jeu. Hein. Brute, c'est pourri les armes brutes. Enfin, ça permet d'augmenter les dégâts, mais vous perdez tout scaling et enfin, ouais. Les scaling, c'est un peu la base du gameplay des Souls. Okay, ça va être chaud parce que là, j'ai bientôt plus de. Voilà. Chantez bien le coup, il me saute dessus. Bon, je reviendrai, j'ai vu un coffre. Les scaling, ouais, je disais, c'est quand même la base si vous voulez faire du dégât dans les Souls, quoi. Mais bon, c'est un choix, moi. Je pense que c'est pour les persos un peu magie. Prenez juste les trucs de l'arme et vous l'augmentez en brut. Mais concrètement, c'est pas ultra intéressant. Moi, je pense. Je me disais bien que j'avais jamais réussi à esquiver ça. Quoi. Il me casse tous les couilles là, c'est pas possible. Faut que je me concentre, je joue n'importe comment là. Depuis deux épisodes, je joue très très mal. C'est pas super super. C'est même plutôt chiant, hein, entre nous. Si je pouvais jouer un peu mieux, ça serait cool. Moi, ça me ferait plaisir. C'est que j'ai trop peur de me faire défoncer par l'autre, quoi.
celui qui m'empêche de me soigner. Bon, j'arrive pas à le toucher. Je suis meilleur à Call of Duty qu'à Dark Souls. Voilà, comme ça je peux pas me soigner, c'est réglé. Non mais l'autre qui jette des putains de talismans, il est en train de me saouler hein, celui qui jette des talismans, je vous jure. En fait, je suis en train de me rendre compte que mon champ, enfin mon écran, je l'ai vachement bougé par rapport au début où je faisais des vidéos, parce que sinon on voit la porte. Là, la porte, on ne voit pas du tout quoi. Enfin bref. C'est tout le bordel dans mon armoire, un truc de ouf. Putain, merde, il me l'a mis dans la gueule. Là, je suis mort. Au pire, hein. Voilà. Dans le pire des cas, je peux faire ça. Lui, je le pose. Un petit backstab, j'ai dit. Je récupère un peu de vie. Même si là, de toute façon, si je suis pas full life, je vais pas aller voir le chevalier d'Irithil ou je sais pas quoi. Comme je suis pas full life, ouais. Ah, peut-être utiliser une ambre. Ah, épée à deux mains, épée à deux mains électrique. I want some of it. Beaucoup trop vite. Eh merde, l'enchaînement. Putain. En fait, là, j'ai un petit problème, c'est que deux en même temps, c'est chaud. T'es sérieux là? Putain, vous avez vu la quantité de vie que j'avais? Je prends. Y'a pas un moyen d'améliorer ses armures dans le jeu? Je prends des dégâts de ouf. Je sais vraiment pas si on peut améliorer ses armures ou pas, mais je prends vraiment des dégâts assez ouf. Ça commence à me saouler là en fait, parce que. Genre, je bloque sur une zone, y'a que 5 ennemis quoi. Je prends vraiment des dégâts assez hallucinants quand même. Genre, c'est même étrange les dégâts que je prends. Putain, mais je fais des dégâts avec cette arme. Putain, mais lui avec ses flèches là explosives de la mort. Parce que moi je tue ton pote l'archer.
prendre encore un peu de vie. Mais... je sais pas s'il y a pas moyen d'en attirer qu'un seul sur les deux. C'est pas que je me suis défendu parce qu'ils étaient deux en fait, hein, mais... c'est moyen d'en attirer qu'un seul. Ça se tente. Vive l'arc. Putain mais ça c'est abusé, c'est cette... elle a un putain de contre-temps de ouf cette attaque. J'aurais dû le backstab là. Au pire, mais des fois je me cache derrière des... alors que j'ai juste à le bouger. Des fois je réfléchis pas, ça me saoule. Je me blase quand je fais ça. Genre j'ai en mode, ah faut que je réfléchisse, faut que j'ai de le backstab et tout, mais non, j'ai juste à le bourriner et ça passe tranquille. Déjà si tout à l'heure à lui j'aurais pu faire ça, ça aurait été cool. Mais attendez, qu'est-ce que vous cachiez là? Qu'est-ce que c'est que ces cachotteries? Ils sont là juste pour me casser. Putain, c'était deux mecs qui étaient en train de pleurer leur copain mort et je les ai tués. Je passe pour un salaud. Ouais, il y a l'autre salaud en bas. Ce que je dis, c'est que même quand je le frappe, je prends de la congélation. Toujours être full life parce que si je peux éviter d'être congelé, moi ça m'arrange. La deuxième boulade qui était pas du tout voulue. Rapier dirait-il. En fait, ouais, chacun de ces mecs donne forcément une arme. En plus, c'est un vrai coffre. Ah, il y a un autre coffre à côté. Qui sont de l'arbre aux esprits. Il y a trois coffres. Écailles de titanite. Et mais les écailles de titanite, en vrai, tu en vois là. Ah, lui, c'est peut-être un piège. C'est un vrai. Parce que la chaîne, elle part dans le sol. Donc, on voit pas trop. On va bien, on se la touche. Putain, dans la catégorie je suis un con, là je viens de faire fort. Oh putain, cette chasse, cette chatte. Putain, mais en fait, si, il y avait la sortie par là si je traversais. Bon, allez, on tente. Foutez tous de ma gueule, c'est ça? Mais franchement, c'est au début du jeu normalement où il y a ces putains de mecs avec les explosifs près des caisses. Tout le monde va bien se calmer. Et moi je veux un feu maintenant. Ah, il y avait une échelle qui permettait d'aller là-bas. C'est quoi ça? C'est la queue du dragon? C'est la patte du dragon. Est-ce que je pourrais... putain, il y a un mec transformé dans le dragon, quoi.
Je veux bien débloquer un raccourci ou un feu. C'est un truc qui est celui-là que j'ai toujours pas récupéré. Alors ça c'est très putassier ça. Tuer le dragon. Bon, ça me saoule. Merde. Oh, c'est de la malédiction. Il est mort ou pas? J'en ai tué un. J'ai pas tué l'autre, hein, c'est le problème. Attends, mais non, mais. Ok, j'ai tué les deux dragons. D'accord, donc chaque dragon a une sorte de truc maudit à l'intérieur. Genre en fait c'est pas des vrais dragons et c'est ces trucs maudits là qui contrôlent les dragons. C'est ça, c'est une histoire comme ça. Bon, je me casse. Ok. Ça me donne pas forcément envie d'y aller parce qu'il y a un mec qui a une épée. Donc un type hyper balèze. Peut-être l'autre qui va sonner sa cloche, ils vont tous se réveiller, ils vont tous vouloir me tuer la gueule. Putain, il y a une mimique. Je vais pas frapper, parfait. Putain, y a... La roulade en direction des ennemis, pas la bonne idée. Alors. J'hésite entre me laisser tomber là. Putain, mais j'aimerais bien les tuer le truc en fait. Ouais, mais. C'est chaud quoi. Genre, j'ai pas de soin. Quoique, attendez. Oh là, j'ai aucune honte. Hein. Je sais pas trop comment ça fonctionne ce dragon. Mais... Ça, on est d'accord que c'est pas un bug. Au début, je pensais que c'était un bug, c'était genre un ennemi qui était coincé dans le dragon, mais j'ai pas l'impression. Hein. Ouais, ouais. J'ai juste de buter un putain de dragon. J'ai combien les 4 titanites? Un seul, ok. Prochain objectif, l'autre dragon. Ce sera pour plus tard. Là, je vais retourner au feu de camp. Je vais aller prendre un niveau. Normalement, j'ai de quoi prendre un niveau. Ouais.
fait, non seulement je vais crever, mais en plus j'aurais pas récupéré ce que je voulais récupérer. Si la chute me tue, je pleure. C'est bon. Ah, j'ai bien envie d'augmenter. Attendez, parce que j'ai bien envie de changer d'arme. Le problème, c'est que maintenant je suis tellement habitué à jouer à la clé mort que ça serait trop risqué. Parce que là, mon arme elle est à son niveau max. Je vais voir si j'ai pas une autre arme qui pourrait me plaire. Parce que là, en théorie, je peux déjà monter l'arme au niveau pas mal. Si j'ai une autre arme qui me plaît. Dans les attributs force principalement, genre 1 en force, c'est noir. Y'a rien qui m'intéresse en fait. Putain. Mais je perds de la. Non, j'ai n'importe quoi, je perds pas des niveaux. On va se détendre. Je crois que je peux brûler un truc, mais j'ai peut-être une fiole aussi, je sais plus. Non, c'est juste que je peux brûler un truc. Ok. Je vais pas descendre pour toi. Non. C'est fou d'avoir des fioles plus 9, normalement c'était plus 10. Plus 7, le max. Peut-être même plus 5, je crois, dans le 2, je sais plus. Donc là, on va aller. Bon, on va aller traverser. Donc j'ai quand même un dragon qui est encore vivant. J'en ai un qui est mort, mais j'en ai un qui est vivant. C'est assez facile à tuer avec mon arc. Ah putain, c'est l'arc que j'aurais dû augmenter. Parce que mon arc il est grave bien en fait. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un arc à CC normalement. Donc c'est vraiment l'arc, si vous voulez faire un build de force, c'est le seul arc que vous pouvez utiliser en fait, qui est vraiment intéressant. Il n'a pas de portée par contre. Ah non, il a DD. C'est CC à niveau 10, enfin dans les autres souls c'est comme ça en tout cas. Donc là il reste plus qu'un seul dragon et il dort. En fait les deux dragons sont morts mais il y en a un qui est pas... Enfin j'ai activé en fait le... Les ténèbres chez les dragons, quoi. En gros. Non. Ok. Mais non, mais... J'aimerais bien avoir leur épée, sérieusement. Donc la parade on oublie direct. Ils se battent entre eux. C'est son attaque où il me fait cette attaque. Mais salaud, il va venir l'améliorer. Oh là là. Ok, toi t'es mort. Je suis mort, je suis mort. Non mais qu'est-ce que c'est que cette salope. Le gars il arrive. Genre, hé hey, salut, j'ai un boost pour ton pote et j'ai aussi des soins. Je rage. Je rage trop là. Cet épisode c'est l'épisode de la difficulté. Là le jeu commence à être dur. Il serait temps. Merde, il y a un objet que j'ai pas récupéré. Je vais le prendre. Je peux le prendre au moins. Putain, mais attendez, comment j'ai fait pour aller jusque là sans prendre l'objet, quoi. Là, je vais y aller en 2-2.
Ah oui, je sais. Je sais comment j'ai fait pour aller jusque-là sans prendre l'objet. Si je tombais, je pète un câble. Je suis allé là. J'ai couru ici. Là, je courais, j'étais serein, j'étais tranquille. Et puis d'un coup, le dragon, il m'a regardé. Il m'a craché du feu à la gueule. Et je me suis dit, oh, c'est peut-être pas le bon plan. Putain, pour une écaille de titanite, c'est cool. Parce que les armes de boss, c'est le bien. Putain, mais lui, il s'acharne sur moi, quoi. Ok, donc toi. Et fuck. Voilà, comme ça son pote ne va pas venir le soigner. Tu peux même soigner comme ça toi. Ça c'est fait. Putain, y a l'autre qui arrive. Mais genre, autant le lancier a pas l'air au courant que je suis là, autant les autres ils ont bien l'air au courant. T'as encore amélioré? Tu me la rends. Okay, c'est la merde. Je suis pas tant dans le mal en fait. Je pensais, mais non, j'ai consommé que 3 fioles. C'est d'où je viens, forcément. Si j'ai vu qu'il n'y avait pas une échelle dans un sens, il n'y en aura pas dans l'autre sens. Ok. What? J'ai trop envie d'aller là-bas. Hashtag c'est trop facile. Deux éclats. J'avais lu 5 tout à l'heure, mais pour ça je sais que c'était pas ça. Si là ça descend, je sais où ça mène. Et donc j'aurais trouvé un feu de camp qui est juste à côté du boss. Donc c'est cool. Là ça mène, à mon avis, au premier feu de camp, celui du pont. Bon, de ce côté-là, il n'y a pas de sortie secrète. Voilà. Donc, il faudra bien que j'ai à chaque fois l'ascenseur en bas. Mais si à chaque fois j'ai bien l'ascenseur en bas, et ben j'aurai juste à courir à monter dedans. Donc c'est cool. Je pensais que ça descendait, vous voyez, cet ascenseur. En fait, il monte. Par contre, il est long. Hein. Il est vraiment putain de long en fait. Donc interdiction formelle d'oublier de me le monter parce que alors là. Putain, d'accord, les mecs ils attendaient là parce qu'il y a un objet au-dessus de leur gueule en fait.
Pire, l'arme rouge. Et bah ça, c'est pas un anneau qui va être utilisé en speedrun, je vous le dis. Attends, on se bat sur un pont, puis après encore tout le château. Par contre, ça sent la fin du jeu, parce que je pense vraiment que la fin du jeu, elle se situe dans cette partie là-bas du château. Peut-être que je me trompe. Hein. En tout cas, le château, on le visite. Et c'est cool. Putain, mais les pièces rouillées, en veux-tu, en voilà. Ok, le titanite aussi. Ok. Bon, bah, je trouverai. Hein. Bon, on va descendre. Quitte à refaire le tour. Je courrai juste, hein. What? Attendez, c'est quoi? Ah, on voit le jardin de l'autre. On voit bien, il est dans la petite... C'est le jardin de l'épisode précédent, là c'est la fameuse endroit où je suis mort, où il y a les deux mecs qui gardent, et lui après il va dans le mausolée derrière. Oh, la cloche de Keita. Par contre, il y a un endroit où qu'on voit au loin. Alors là, je suis dans la merde. Non, ça va. Il y a un endroit qu'on voit au loin dans lequel je suis pas allé encore. Et j'aimerais bien y aller pour de vrai. C'est. Vous savez, quand on est à Norlondo, le bâtiment sur la droite au loin. Je sais pas si on peut y aller. Vraiment, c'est le seul endroit qu'on voit où on peut pas aller. Parce que même le château, du coup, on le voit au début. On se dit, tiens, on peut y aller. On se rend compte qu'on peut pas au début. On se dit, tiens, j'irai peut-être jamais. Bon, après, il y a cette échelle, hein. Dans la salle d'Emma qui nous guide un peu. Mais en vrai, on sait pas. En vrai, on sait pas. Bon. C'est vraiment parce que de la vue qu'on a là-bas, on voit pas ça. Du pont. Là on le voit et c'est vachement pas rassurant. C'est quoi que j'entends en bas? Ok, 3 en un seul coup. Ah non, lui je l'ai pas tué. Heureusement que ces squelettes ils sont lents, n'empêche. Je suis sûr que les mecs en armure ils m'ont suivi, ils sont juste en dessous. Regardez là, il y a. Ah non, c'est le cadavre d'un mec. On peut aller sur le pont, vous pensez? Ah bah, apparemment oui. Donc c'est dans le pont où j'entendais un mec. Je sais pas pourquoi, il y a un truc qui me dit que cette vitre on peut la casser. Bah non. Un autre chevalier. Qu'est-ce que c'est que cet anneau? Il y en a un chevalier en face qui me donne pas envie. C'est celui-là. Augmente la force. J'ai 393. Oh non, ça me sert à rien. Je monte de 5 de force. Mais comme je dis, à mon avis, le cap c'est 40. Donc. Bon, c'est lui. Le boss, ça sera dans le prochain épisode. Je pense que moi, en rentrant du boulot, je vais faire un petit. Je termine quand même cette zone. Je termine de faire cette zone, donc concrètement je peux dépasser de 10 minutes à peu près. Mais comment? Et putain, mais non, en fait je peux pas tellement dépasser que ça, puisque j'ai juste l'épisode du jour à sortir, que j'ai oublié. Ah, je vais me téléporter d'ailleurs. Peut-être utiliser le raccourci que j'ai débloqué, ça serait cool. Et dans les trailers, dans des screenshots qui ont été présentés, il y a une zone désertique. Alors, j'ai jamais réussi à voir. Je sais pas si c'est des screenshots ou si c'est un effet, genre
un poison qui est libéré par un ennemi qui donne l'impression que c'est dans du sable. C'est une des impressions que j'ai. Peut-être que je me trompe parce que j'ai jamais vu ça dans les trailers. C'est dans un screenshot que j'arriverai pas à retrouver de toute façon. Mais voilà, et il faut que je pense à sortir l'épisode 2, donc j'ai pas tant de temps que ça devant moi. Même si je pense que je peux aller jusqu'à 1h10 de vidéo facile. Donc histoire de bien terminer la zone. Je me suis trompé. C'est pas là où faut que j'aille. Quoi que si d'ici en fait ça se fait. D'ici ça se fait même sans trop de soucis. C'est peut-être même plus rapide en fait. Franchement je pense que c'est plus rapide. Ça fait un peu foutage de gueule du coup pour l'eau de feu. Mais je pense que c'est plus rapide de faire comme ça donc. Par contre j'ai intérêt à me descendre l'ascenseur à chaque fois sinon je suis dans la merde. Sinon je suis vraiment dans la merde parce que alors le moine améliore le mec. Je pense que là l'erreur serait fatale. Putain et j'ai plus de flèches, il faudrait que j'aille en acheter. Il faudra que je me laisse tomber à l'endroit où il y avait le dragon aussi. Pas de côté, petit pas chassé pour éviter la flèche. Bon, allez, ennemi super dangereux, je t'attends. En plus, lui, il a les yeux, hein. Il est vénère. Ça fait moins de dégâts, mais je peux tirer plus vite. C'est l'animation qui est classe. Putain. Oh. C'est-à-dire qu'on peut améliorer tous les serments, en fait. Enfin bref, tout ça pour ça. Les équipes du Titanite. Ah mais je te dis. Non mais utilisez nos âmes de boss. Nos armes de boss, pardon. Elles sont vraiment trop bien. Utilisez-les, faites-vous plaisir. Bon, dernière étape avant la fin de la vidéo. Oh la roulade que je te. J'appuie sur le bouton au tout début de la chute. Hein. Donc genre la roulade elle m'a fait peur parce que je savais pas s'il y avait un truc pour me retenir au cas où. Ah. Enfin une mimique. Depuis le temps qu'on en croise. C'est encore une fois sauvé par le deuxième coup. On sait aucun ni l'un autre. Tu sais c'est genre le. Je sais pas comment dire, ça serait genre le truc. Oh! Ok, je crois que j'ai peut-être trouvé une nouvelle épée. Si elle est aussi abusée. Non! Mais non, il faut de la foi! Mais elle est aussi abusée que dans le 1, dans le 2. Mais oui, mais. Oh là là, cette épée. Dans le 2, j'en avais deux. Normalement, on peut pas en avoir deux, on peut en avoir qu'une seule par personnage. Mais. En utilisant des sauvegardes, des backups de sauvegardes, un ami m'en avait donné une. C'est bizarre, je perds de. Je sais pas ce que je fais, mais des fois je perds des points de compétence. Je sais pas. Ok.
Ça fait quoi ça? J'ai peut-être pas. D'accord, ok. Donc faut pouvoir l'équiper bien sûr pour que l'effet magique se fasse. Tome divin de Lost Freak. Bon bah voilà, je crois qu'on peut se laisser là. Mais j'ai une de mes armes préférées des Souls. Donc c'est plutôt cool. D'ici, est-ce qu'il n'y a pas moyen de. Un autre chemin plutôt pour revenir au feu? Ouais, je préfère me lâcher là. Parce que comme ça, je suis sûr que les ennemis, s'il y en a qui traînent dans la zone, ils me cassent pas les bouboules. Et j'aimerais trop avoir l'épée des chevaliers de Lothric là. Cette épée-là. Parce qu'elle est super classe. Mais elle a l'air d'être bien lourde. Un peu de gestion de personnage, puis dans le prochain épisode on aura un boss qui, comme vous avez pu le voir à l'instant, permet d'aller super vite au boss. Genre en fait je croise aucun ennemi, j'ai un ascenseur et je peux aller direct au boss, donc c'est plutôt cool. Mais cet épisode il y a eu de la difficulté, là j'ai senti vraiment que je n'étais pas le bienvenu. Ah ouais, mais après j'ai mon anneau aussi qui fait que je fais grave de dégâts. Parce que genre ça me rajoute combien? 5 en... Non, ça me rajoute 3 en dex. C'est quand même pas mal. Et donc je... Ah mais par contre je me pose une question. Putain, je peux pas l'améliorer, ça me fait trop chier. Du coup j'ai dit que j'améliorais quoi? Ah oui, mon arc. J'ai 16 écailles de titanique. Oh, vous savez de quoi? Il y a un truc. Oh, je suis très tenté là. Oh, je suis très tenté là. Attendez, je vais bouffer des âmes. On va peut-être changer d'arme. Quelque temps, histoire d'essayer. Alors, j'hésite entre celle-ci ou celle-ci. Mais je pense que je peux améliorer une des deux en plus. Ah non, juste en plus 3. C'est principalement une arme dex, c'est dommage. Ah non, les plus 4, ok. Fait, globalement, c'est assez abusé parce que l'arme fait les mêmes dégâts. Par exemple, si j'enlève l'arc. Un truc. D'accord, en fait c'est au milieu du combo, donc ça permet. Je pense que ça permet de faire des trucs assez ouf. Et après une attaque forte? Ah non, après une attaque forte, par contre il n'y a pas de combo aussi. J'ai pas envie de l'essayer quand même, de voir. Il y a une parade apparemment assez spéciale. Bon, je vais faire ça sur le premier ennemi. Non, mais en fait le problème. Ah regardez, mais on voit que dans le ciel il y a un truc, alors que là il n'y a pas de truc dans le ciel. Le ciel est normal. Et là il ne l'est plus. Bref, on va pas aller voir. Bien d'essayer cette arme en tout cas dans le prochain épisode. Elle a l'air bien fandard. Par contre, ça me fait chier de devoir se séparer de mon arc. J'ai toujours l'anneau d'Avel, hein. Ouais. Je vois quand même s'il n'y a pas un autre anneau qui me sera plus intéressant. Ah, je pense pas. Non, mais j'ai... Faut que je fasse L. En fait, comme c'est, j'ai l'impression que c'est une toute nouvelle arme, j'ai envie de faire L1 pour la changer comme dans Bloodborne en fait. Mais genre ce combo là, il est trop bien. Je pense que je vais faire que ça comme combo quasiment. Après en termes de dégâts c'est pas ouf. Après l'arme est que plus 3. Non, les plus 4 en fait. Je peux quasiment améliorer au maximum. La durabilité, j'ai pas regardé ça par rapport à la clé mort. Oh, le plus durable. Et celle-ci on en est où?
Ah, ma clé mort est vraiment surpuissante hein, par contre. Je vois si on peut comboter aussi avec ça. Attendez, je refais des tests. Ça c'est rien de spécial. Ça fait des dégâts en fait si je fais ça. Mais par contre ça. Après l'enflamme. Je vais voir s'il y a un follow-up. Bah oui apparemment. Et du coup maintenant je peux en faire combien des coups avec. Attendez. Mais celle-ci aussi elle donne grave envie d'être utilisée souvent. Je vais voir combien de coups je peux faire avec. 1, 3. Et par contre le fait que je puisse faire 3 coups puis après je peux pas faire de roulade c'est gênant. Et à une main. En une main j'en fais 3 ou peut-être 4 mais très limite le quatrième. On va voir. Là j'en fais pas 4. Bien bah c'est là-dessus que je vais vous laisser avec ma nouvelle arme. Ça ça me fait chier, je peux vraiment pas mettre l'arc. Et si j'enlève ma torche, concrètement là 1%. 70,1%. Ça va aller, je vais changer de gantelet. Hein. Quitte à ce que. Y'a pas un où genre je suis à 70? Non. J'ai trop hâte de l'essayer, mais entre temps il va falloir que j'aille bosser. Ce soir, après un petit épisode de Castle, ça passera bien. Par contre, je vais juste terminer de préparer l'équipement comme je le veux. J'ai plein d'armes, il y a énormément d'armes. En fait, genre... What? Arc composite. Ah, j'ai pas amélioré mon arc. J'ai pas amélioré mon arc. Je vais le faire pendant que j'y pense parce que... Alors oui, je bouffe plein d'âmes, surtout que là, ça va me faire 24 000, donc on est pas mal. Parce qu'il faut que j'achète des flèches aussi. Voilà, des flèches. Ah oui, le maximum, c'est 2 x 99, en fait. Du coup, je peux me la péter en n'ayant que des flèches empennées. Parce qu'en termes de dégâts, quand même, c'est vachement mieux. Donc on va partir là-dessus. Voilà, j'ai toutes mes flèches. Donc, putain, mais c'est abusé. 198 flèches, c'est vraiment pas beaucoup. Hein. Niveau M, ok. Et... C'est un arc bien amélioré, ça. C'est vrai que j'ai grand arc. J'ai l'arc des monts dragons aussi. Qui normalement sont censés faire des dégâts magiques. Il est grave mieux en fait. Ah mais il faut des écailles de... Donc c'est bien une arme de boss hein, puisqu'il faut une écaille de titanite. Donc pareil hein, une arme dont se servir à peu. Putain des flèches standards en fait. C'est ça qu'il me faut. Oh putain mais oui mais c'est des flèches standards qu'il me faudrait. Parce que les flèches empennées je font pas assez de dégâts. Flèche du clair de lune, dégâts. Et des armes je sais pas où on peut acheter. Putain les flèches standards c'est peut-être chez Patches. Si c'est chez Patches, je vais en acheter plein. Hein. Rien à battre. Il y a une présence là-bas? Non, je les ai lus. Non, flèche empoisonnée. Tu ne me sers à rien. Tu ne me sers à rien. Bon, là-dessus, je vous dis à la prochaine. J'espère que cet épisode vous a plu. Putain, je serais tombé un poil plus bas, je serais peut-être mort. J'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour la suite des vidéos dans le prochain épisode. Un boss d'entrée. Alors ça, boulot, castle et boss. Voilà, je vous dis à la prochaine et salut à tous et merci d'avoir regardé, bien entendu, salut!